Je veux rappeler que le gouvernement chinois est déterminé à mettre en œuvre de façon complète et correcte le cadre un pays, deux systèmes. Nous sommes engagés au maintien de notre sécurité nationale et de nos intérêts de développement, de même que la prospérité et la stabilité durable de Hong Kong. Hong Kong est Hong Kong de Chine. Le Royaume-Uni doit accepter cette réalité et respecter la souveraineté, la sécurité et l'unité de la Chine. Il doit également cesser d'interférer dans les affaires de Hong Kong d'aucune manière que ce soit. Plus il y aura de forces étrangères qui interfèrent à Hong Kong, plus la Chine sera déterminée à mettre en œuvre sa loi sur la sécurité nationale.